Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ping Julia et aujourd'hui, eh bien, je suis agent de police. Et oui, j'ai enfin fait l'acquisition du jeu Police Simulator sur PS5. Alors pour ceux qui me suivent, oui, je l'avais débuté sur PC. Malheureusement, mon PC a eu un petit souci. Et donc, bon, voilà, je voulais le refaire tranquillement sur PS5. Et puis, sur PC, je trouvais qu'il y avait quelques bugs, en fait. Donc, j'espère que sur la PS5... Non, sur le PC, il y avait quelques bugs. Oui, je suis pas sûr que je l'avais bien dit ou pas. Et j'espère que sur la PS5, ça ira mieux. Donc, on va démarrer tout de suite, comment dire, une nouvelle carrière, hein. On va prendre au féminin, non. C'était Emma Davis que j'avais pris sur PC. Bah, je vais inverser, mode de jeu occasionnel, une expérience complète avec des systèmes conçus pour les joueurs qui souhaitent vivre une expérience immersive. Ah oui, pour la simulation. Équilibre ajusté, on va faire ça, et didacticiel activé, voilà. C'est bon. On va prendre Emma Davis. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas mettre son propre nom et prénom. Hein. Donc voilà, on est sélectionné la patrouille. Donc voici l'aperçu du district sur lequel vous pouvez choisir votre prochaine patrouille. Chaque semaine, vous devez jouer 5 patrouilles. Donc vous pouvez prendre 4 jours de repos par semaine et ainsi recevoir de nouvelles options de patrouille en appuyant sur L1 ou R1 L1. Bon, excusez-moi, c'est petit. Elle est petite la touche quand même, je trouve. Bon, Dunton on peut pas, Brixton on peut pas. Donc on va commencer par Melting Pot. Et donc... C'est quoi? C'est pas comme sur PC. Un district pour les patrouilles de cette semaine. Ah bon? Bon. J'avais pas ça sur PC, je crois. Une nouvelle patrouille disponible. Alors, bon, on en a qu'une. Hein. Voilà, celle-là. North Point. La première école de Brighton, fondée en 1739 à North Point. Alors, commencez la patrouille, voilà. Donc on va arriver dans notre bureau. Voilà. Et nous allons... Ah, par contre, j'ai pas vu la durée, comment dire, de la... Hello, officer. It's your first day on the job, and your first shift is to issue parking tickets. So be on the lookout for vehicles violating parking regulations. Première patrouille. Be on your guard. Des contraventions pour stationnement. Always remember to have reasonable suspicion before you detain someone, and a probable cause with sufficient evidence before making an arrest. Now, some days are better than the others, and remember, every day is different. Good luck. Thank you, officer. I'll keep that in mind. Alors, nous devons donner des contraventions pour stationnement, hein, et au pire, arrêter des personnes. Je dis au pire parce que, voilà quoi, ça ne court pas les rues non plus. Mais certaines tâches spécifiques, vous pouvez accéder à l'ordinateur de police avec triangle, donc ça c'est bon. Alors... Alors, est-ce qu'on part par ici ou est-ce qu'on fait la grande rue? On va faire la grande rue tout de suite, hein, ça sera fait. De toute façon, on doit se promener pour trouver des voitures mal stationnées ou qui n'ont pas payé leur parcmètre. Point de patrouille et de conduite. Vous gagnez des points en fonction de vos actions dans le jeu.
Les points de patrouille sont des récompenses et les points de conduite sont des pénalités. Par exemple, demander la pièce d'identité sans la moindre raison vous fera perdre des points de conduite. Comme surpoté, en fait. Donc, hi there. Alors, par contre, lui, il est déjà mal mis. Il est sur un arrêt de bus. Par contre. Mode kiki. Alors, comment fait-on pour... Ben non, il est rangé. Alors, 2023. Donc c'est bon, janvier 2023. C'est impeccable. Par contre, tu vas te prendre une amende. Contravention pour stationnement. Zone de stationnement spéciale. Et mes bus. Alors, arrêt de bus. Voilà. Tu n'avais rien à faire ici, toi. Voilà. Bon, on va pas trop courir. Hein. On va prendre un peu, comment dire, un peu son temps. Et voir. Voilà. Nous avons mis notre première contravention, donc alors valide, il est bien garé, valide, ça peut aller encore, le stationnement, valide, valide. Par contre là-bas, j'ai pas l'impression qu'il soit si bien garé que ça. Il est garé sur toi. Alors, il a payé. Ça, c'est bon, 2023, la plaque. Alors, contravention pour stationnement. Position et alignement sur le trottoir. Voilà. Et deuxième contravention. Il est garé sur le trottoir, il a même. Ouais. Alors, ça c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Indian dessert. C'est bizarre qu'ils m'ont pas mis. Il est garé à contresens. Il n'a pas le droit. Par contre, il est valide. Contravention pour stationnement. Position et alignement. Stationnement en contresens. Voilà. Et plus 10 points. Bien. Burger Even. Ils font des bons hamburgers, hein, si vous voulez. J'en mange pas trop parce que j'ai pas envie de grossir, mais
Ah, celui-ci va se prendre. Cette personne vient d'abandonner des déchets. Là. Viens ici, toi. Alors. Alors, demandez la pièce d'identité. Sure, here you go, officer. Alors, date de validité, elle est bonne. Voilà. Pas trop mal. Gardez un œil sur vos messages d'intuition. Vous avez maintenant le droit de la fouiller ainsi que sa voiture en raison de ce signe d'intuition sans l'alcool. Elle sent l'alcool. La fouiller, c'est là-bas. Alors, la fouiller, on a la palpation est justifiée lorsque la personne présente des signes de comportement comme des tremblements, de la nervosité ou des comportements inhabituels. Le fait de trouver des armes illégales ou des drogues constitue un délit et justifie l'arrestation. Fouille est plus invasive qu'une simple palpation et nécessite une cause probable que la personne le conduise sous influence de drogue, comme des papilles dilatées, l'odeur d'alcool. Je vais la fouiller. Viens ici, cooperate. Tu pues l'alcool. Alors, elle avait ticket de bus, canif, guide de la ville et du raisin. Bon, bah, c'est pas terrible, mais bon. Alors, elle a quand même le droit à une contravention pour abandon de détritus. Alors, je vais juste donner un avertissement verbal pour cette fois. I'm going to give you just a verbal warning this time. Many thanks, officer. Parce qu'elle n'avait rien sur elle. Alors, vérification des antécédents avec triangle. Je savais qu'on pouvait le prendre de là. Ma note fouille. Bah, je vais la laisser partir. All right, you're free to go. Enjoy your day. Par contre, je voulais. Comment dire. Qu'est-ce qui. Dis donc, mais je t'ai pas demandé. Ordinateur de police. Ici. Permis de conduire, non. Permis de port d'armes, non. De toute façon, elle en avait pas. Et conduite sans permis, d'accord. Elle conduisait sans permis. Ça va quoi. Elle était assez clean. Ouh, celui-là il traverse illégalement. Tu viens ici, toi. Alors, bonjour. Would you show me your ID, please? Yeah, sure, alors. Sir. Alors, le 12-06-2023, donc elle a pas expiré, elle est bonne. Ah oui, tiens. État de Franklin. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment elle. Non, c'est pas vraiment elle. Par contre. On peut pas le voir d'ici, hein. C'est dommage que le ordinateur de police. Statue invalide. Stationnement dans une zone handicapée, non-respect du feu, harcèlement, stationnement. Elle est partie. Dommage, je voulais lui faire un. Un quoi? Un truc verbal. Et là, il faut attendre le feu vert pour pouvoir. Voilà. On va traverser.
on va aller mettre une contravention à cette voiture qui est mal garée, valide. Alors, la plaque est toujours bonne. Ici, position et alignement sur le trottoir. Voilà. Ça, c'est fait. Et en plus, tu viens vers moi directement, toi. Tu oses. I'd like to see you, please. Ok, officer. There you go. Alors, Banks. Elle est toujours bonne. Donc, on va lui rendre. Et on va lui donner une contravention. Traverser. Voilà. Traversée illégale. Contravention. Cela va se le prendre pour $20. I didn't expect it to be that expensive. Elle est en colère, mais je m'en moque royalement. Elle avait qu'à traverser dans les clous et puis c'est tout. On va la laisser partir. Bye. Et on va continuer. Par contre, on va marcher un peu quand même. Quelqu'un vient de vous saluer. Bah oui, mais. Eh oh! T'as pas le droit de traverser là, toi? Dis donc. Please show me your ID. C'est toi? Sure, officer. Here you go. Alors, oh, pièce d'identité volée. La vérification des antécédents de cette personne indique que les données ne correspondent pas, car elle utilise une pièce d'identité volée. Vous devez la menotter. Je vais la rendre, et toi, ma petite, tu es bonne pour le menottage. Pour celui-ci, vérification des antécédents et des documents. Mandat d'arrêt, pièce d'identité volée. Allez, t'es bonne toi. Oui, si, pas la peine de dire non, ma petite. Alors, vous devriez appeler le transport d'arrestation. Appeler transport d'arrestation. Voilà. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Et voilà, on va attendre tranquillement. Oh bah ils vont vite en plus, c'est bien. T'auras qu'à tracer la crête, ma petite. Et la prochaine fois, tu prends ta pièce d'identité à toi, voilà. I need you to be cooperative and follow me to the patrol car. I have no choice. Eh ben non, hein, t'as pas le choix, hein, t'avais qu'à pas faire l'idiote. Voilà. Et nous, on va retourner continuer nos... Allez, dépêche-toi. Alors, il est rouge pour l'instant, on va attendre nos contraventions, non? Vous avez vu, hein, première arrestation du premier jour. Hey. Voilà, salut en retour, parce qu'il faut qu'on soit aimable avec les citoyens. Alors, pas beaucoup de voitures par ici. Alors, ouh, invalide et il n'a pas de macaron de personnes souffrant d'un handicap. Donc lui, il y a le droit, plaque d'immatriculation, elle est bonne. Contravention, temps de stationnement. Dépassé, voilà.
Alors, celui-là, il est bon. Bon, par contre, c'est un peu... C'est un peu en biais. Je mettrai... Cette personne vient d'abandonner des déchets. Elle est bonne. Ah zut, je la vois pas. Je sais pas si c'est elle, il n'y a pas les petites flèches au-dessus de sa tête, donc je ne saurais pas dire. Dommage, bon, on va... Bon, je vais laisser... Alors, valide, la plaque d'immatriculation, elle est valide, elle est rouge. Bon, vous allez me laisser passer, vous. Obstruction à la justice, ça peut aller loin, attention. Pardon. Alors, celui-ci... Oh, il n'a pas payé et il n'a pas le macaron de personne handicapée. Donc, temps de stationnement échu. Voilà. Ça, c'est fait. Il était à peu près bien garé, hein, quand même. Bon, on va marcher un petit peu parce que sinon... On va être trop fatigué à la fin de la journée. Par contre, je sais pas si cette personne vient d'abandonner des déchets. Putain, c'est où? C'est où? Ah là-bas. Là-bas, viens ici toi. Viens ici. Alors, pièce d'identité. Yeah, sure, officer. Alors, est-ce encore valable? T'as pas vu qu'il y a quelqu'un, toi? Non, mais franchement. Et on va lui donner une contravention. Abandon de détritus. Bon, allez, on va être gentil. Juste un avertissement verbal. Thanks a lot, officer. Cette personne semble se soulager. Everything's fine. You're good to go. Bye. Bon, par contre, là... Non, 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 non. Et, bah, vas-y, écrase-moi, je te dirai rien, non, mais... Salut, sinon... Ça, c'est bon. Encore des déchets... Ah, bah, c'est bien. Du coup, purée, il y en avait deux, je sais pas lequel qui a. Bah, je sais pas laquelle des deux. Je ne savais pas laquelle des deux, c'est dommage. Alors, taxi stand. Alors, zone de taxi. Donc, ce n'est pas un taxi. La plaque, elle est bonne. Donc, il y a le droit à une contravention. Zone de stationnement spéciale. Zone de taxi. Au moins 5, pourquoi ? Pourquoi ça ? Vous venez de sanctionner une voiture portant l'appellation Shift. Shift est l'entreprise de taxi de Brighton. Oh purée! Ah oui, ici sur le pare-brise. Je l'avais pas vu. Moi aussi, je l'ai vu. Alors, valide. La plaque d'immatriculation est rouge, donc c'est bon. Valide. Là, il est valide, mais déjà il y a contresens. Alors, contravention, positionnement et alignement, stationnement à contresens. Déjà, ça c'est fait. Et par contre, position et alignement, trop sur la route.
à lui, il y a eu deux contraventions. Il va être content, lui. Alors, celui-là, il est valide. La plaque, elle est bonne. Et on va continuer là-bas. Traverser inégalement. Allez-vous. Ah, j'ai pas vu qui c'est qui avait traversé illégalement, c'est dommage. J'aurais pu lui donner un nouveau point d'intérêt. Walmart. Petit magasin pour aller chercher son sandwich quand on n'a pas le temps de rentrer chez soi pour manger. Là, c'est bon, la plaque d'immatriculation elle est rouge donc c'est bon. Alors ici, ah, ça n'a pas été payé, mais par contre il a le macaron de personne souffrant d'un handicap. Donc je ne peux pas toucher à cette voiture, je peux pas lui mettre un PV. Alors, ici, taxi stand, mais il y a la carte Shift, donc je ne peux pas toucher à la voiture, maintenant je le sais. Payer. Une bonne plaque, payé, la plaque est bonne, valide, ça c'est tout bon. Celui-là, elle est bonne. Ah, pas payé, pas le macaron, par contre la plaque est valide, donc contravention, temps de stationnement échu. Voilà. Celui-là, il est bon. La plaque, elle est rouge, donc elle est bonne. Ah! Ouh! Non. Donc, c'est juste pour le positionnement sur le trottoir, parce que il a le macaron des personnes souffrant d'un handicap et je ne peux pas y toucher. Cette personne vient de traverser illégalement. Et bien ici. Hop, je te suis. Dès que tu seras là-bas, on ne va pas le faire au milieu de la route, j'ai pas envie de me faire écraser, moi. Je suis pas cinglé. Hello. Salut, en retour, et toi tu viens ici. Voilà. Demandez la pièce d'identité. Alors, elle est bonne, sa pièce d'identité. On va lui rendre. Et alors, traversée illégale et simplement un avertissement pour être gentil. Hein. Est vraiment soulagé, bah tu m'étonnes. Bon, il y en avait une deuxième qui a traversé illégalement, mais bon, tant que je m'occupe d'elle. Alors, ça c'est bon. Ici. Shift. Donc c'est bon. La plaque d'immatriculation est bonne. Celui-là, par contre, je suis pas sûr qu'il puisse se garer là, quand même. Je sais pas du tout s'il pouvait se garer ici, celui-là. Ah, la patrouille est terminée, donc on va rentrer au commissariat de police, vient d'abandonner des
Donne-moi ta carte d'identité, toi. Tout de suite, mon mec. Sure, officer. Here you go. Alors. Si, c'est bon, elle est encore bonne. Donc, ça, c'est bien. Contact visuel. On va. On va fouiller. On verra bien ce que ça donne. J'espère ne pas me prendre un malus. Gants en satin, clé de voiture, lettres. Oh, couteau à cran d'arrêt. Couteau à cran d'arrêt. Je vais l'arrêter pour port d'armes illégales. Port de couteau à cran d'arrêt. Allez, t'es bon, toi. Please, officer. Et si tu prendras pas de couteau à cran d'arrêt la prochaine fois, mon petit. Le moteur de la voiture était assez fort là dans les oreilles. Quelqu'un vient de vous saluer. Hey there. Voilà, comme ça. Don't resist and get into the police van. Et voilà, tu n'avais qu'à pas avoir un couteau à cran d'arrêt sur toi, mon petit. Alors, on va rentrer au commissariat de police. Tranquillement, on va zioter. Bon, ça va, j'ai perdu que 5 CP pour l'instant. C'est pas trop trop mal, on va dire. Ici, c'est valide. Ici aussi. On va prendre la petite passerelle pour traverser. Hein. Il y en a une, on va s'en servir. Et on va rentrer tout de suite d'ailleurs, parce que c'est juste à côté, donc c'est bien. Une belle petite tête, on va dire, mais bon. Il est vraiment excellent comme jeu, il y a moyen de bien s'amuser dessus, c'est excellent. Je vous le conseille, hein, franchement, moi j'avais fait, sur PC, je le rappelle. Mais voilà, quoi. Je trouvais qu'il buguait un peu sur PC, et là, franchement, je le trouve impeccable. Alors, débloquer le pistolet radar, c'est cool. Un nouveau type d'appel, appel signalé les excès de vitesse. Et un nouveau quartier, le Buffer Landing. Donc, ouais, c'est quand même... Ça a été une bonne petite patrouille. Parti, voilà. Une nouvelle étoile montante. Donc c'est cool en plus. Une nouvelle journée au bureau. Jeter un œil aux patrouilles disponibles. Donc on a toujours celui-ci. À pied ou le Beaufort Landing. Une sur 10. Je me demande si j'en refais une sur Norge Point ou si je vais au Beaufort Landing. J'en refais une sur le Norge Point.
quand même. Ouais, 25 minutes, c'est bien. Alors, on peut pas quitter le secteur. Bah, tu m'étonnes. Allez. La journée commence. On est mardi, 8h04. Recently, we've been receiving a lot of complaints about cars driving too fast. Maybe you can pay special attention to speeders. Understood. Alors, valide. Plaque d'immatriculation, elle est rouge, donc c'est 2023. Par contre, ici, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de voitures quand même pour le stationnement. Pardon, excusez-moi. On va traverser. Il n'y a que deux voitures. Ah, mais il est chiant, lui! Et bon. Pisse le radar, oui, je vais ici, il est pépé. C'est lui qui vient de traverser illégalement. Tu viens ici, toi? Non, mais. Please show me your ID. Sure, officer. Here you go. Alors, la carte d'identité est encore valide, donc, alors, constater une infraction, traversée illégale, je vais lui donner un petit avertissement verbal. Thanks, officer. Donc voilà, là c'est fait. On va retourner de l'autre côté, hein. Excusez-moi. Hi there. Ouais, on salue en retour. Il y a les agents de l'ordre, donc. Bon, toi, tu sautes pas, hein. Tu fais pas l'idiote. Tu ne sautes pas. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de voitures ce matin. Oui, ça peut aller pour se garer, valide, c'est quoi le panneau? No parking, donc là pour l'instant c'est bon. No parking. T'as pas l'impression d'être sur un arrêt de bus, toi. Ouais, c'est un arrêt de bus, ça quand même. Je suis pas idiot, hein. C'est parce que c'est pas marqué au seul bus. Ah si. C'est marqué. Bon, alors t'as beau être handicapé. Zone de stationnement. Arrêt de bus. Voilà, bah toi tu traverses. Moi je t'attends, regarde. Oh, viens me dire bonjour. Show me your ID, voilà. Allez, pièce d'identité. Sure, on rigole pas avec ça. Here you go. Elle est toujours valable. Voilà, cette personne évite le contact visuel. On va fouiller. I have to search you. Kind on va fouiller, vas-y. Viens ici. Mais je pars qu'il n'a pas couteau, sinon. Oh, pièce, lettre, cigarette. Et pièce. Non, ça va.
Voilà, on va lui constater son infraction, traversée illégale. I'll let you go with this verbal warning. Un avertissement verbal pour l'instant, voilà. Semble vraiment heureuse. La prochaine fois, tu me regarderas dans les yeux. Et toi, tu es aussi sur le... sur le bus, donc... voilà. Non, c'est pas qu'on s'en fiche, mais il peut pas être là non plus. Ça, c'est fait, voilà. Alors, valide. Alors, taxi, il a le chiffre. Oh, par contre, toi, mon petit. Dans les arrêts de bus. Toi, tu as pour le chiffre. Mais tu es un taxi. À contresens, voilà. C'est un taxi. Oui, mais il est à contresens, voilà. Donc il a droit à son amende. Lui, il est... Par contre, lui, j'aime pas son pare-brise. J'aime pas du tout son pare-brise. Il est dégueulasse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Plus c'est un taxi. Non. Plus c'est un taxi. Ah, bah, non, on peut pas. Vous pouvez appeler une dépanneuse quand de la fumée s'échappe d'une voiture et qu'elle ne fonctionne plus, ou une remorqueuse pour les voitures mal garées. Non. Bon. Celui-là, on peut même pas lui donner un PV pour son pare-brise, là. Oui. Pare-brise et j'ai fini. Alors, celui-là, il est valide, la plaque, elle est bonne. Mais c'est payé quand même. Cette personne a traversé illégalement. Viens ici, toi, tu as traversé illégalement. Ah non, dépêche. Alors, pièce d'identité. Let me have a look at your ID, please. Yes, officer, there you go. Alors, dépêche-toi avant qu'on te révoque. Elle est toujours valide. Oui, ça ressemble, voilà. Semble nerveuse. On va fouiller. Put your hands up slowly, viens please. Ici, toi. I'm going je vais fouiller, toi. J'espère qu'elle n'a pas goûté de son cœur. Alors, clé, gants, satin, ticket de bus, donc non. Constater, traversée illégale, et on va juste lui donner un avertissement verbal. Thanks a lot, officer. Voilà. Et hop, et on va attendre que c'est vert. Vas-y, viens. Viens. Traversée illégale. Donne-moi ta pièce, toi. Ta petite pièce d'identité. Je pourrais même pas traverser de ta faute, voilà. Alors, elle est toujours bonne. Bah, donc c'est bon. On l'avait déjà vu. Et on va simplement lui dire. I'll let you go with a verbal warning this time. Thank you, officer. Elle va toujours. Voilà. Et purée rouge, j'ai pas pu traverser de ta faute. Vas-y, casse-toi ou je te donne un PV et tout. Non mais, purée, j'ai pas pu encore traverser, je perds du temps sur ma... Non, je vais pas lui donner quand même le PV. Bon alors, ça... ah, c'est bon... Alors, il est un peu long quand même, depuis le temps que je l'ai arrêté, le piéton. Ah, celui-là, il aura le droit à une amende. Parce que j'ai garé sur trottoir. Voilà. Alors, stationnement, position alignement sur le trottoir, voilà. T'as le droit à ta petite amende.
Et c'est appelé à quelle époque? Celui-là, il est pas... Celui-là, je trouve qu'il empiète un peu sur la route quand même. Ouais. C'est un peu quand même... Bon, je vais me laisser tranquille. Il y a le macaron, donc je ne peux pas lui mettre d'amende. Celui-là, il est bon. Macaron, et il a payé. Macaron, il a payé. Taxi. Taxi, il est où? Viens ici, toi. Tu as jeté des déchets par terre. Viens ici. Voilà. Pièce d'identité. On ne jette pas de déchets. Il y a des poubelles pour ça. Franchement, et c'est dégueulasse. Elle voilà. A traversé la route tranquille. Oui, en plus. Alors, elle est toujours bonne. Constater une infraction. Alors, abandon de détritus. I have to issue you a ticket for littering, which will cost you up to $25. My lawyer will say. Oui, bon, ton avocat, cette personne semble vraiment triste, je m'en fous. Et pour traverser illégal, I'll just leave you with un avertissement verbal. Ouais. Je t'en ai donné qu'une, alors ne sois pas voilà, vraiment heureuse. Et la prochaine fois, tu feras attention. J'aurais pu être plus méchante et te donner 2 PV quand même, hein, donc... Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Valide. Valide. Oh, c'est un taxi, papa. Ouais, mais il faut qu'il paye aussi. Hi there. Voilà, on la salue en retour pour être aimable. Oh, c'est du bus. Tu es garé sur le bus. Ah, il y a des bruits de moteur qui sont forts quand même. Arrêt de bus, voilà. Ça tire le froid, mon petit. Alors, celui-là, par contre, il empiète un peu trop sur la route. Même si c'est un taxi. Donc, positionnement. Empiète trop sur la route. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. La plaque, elle est bonne. Il a payé, donc c'est bien. Trottoir. Et par contre, alors c'est taxi, taxi stand, donc ça, c'est bon. Ça sera juste une amende pour chevauchement sur le trottoir. Voilà. 0 notation. Voilà, ça, c'est fait. Zéro notation là pour aujourd'hui, milliard au 1. Non, ouais. Non, non, non. Ah bon, on a pris, hein. Peut-être que... C'était quoi la prison? Celui-là, c'est un peu... valide. Il a pas de quoi. Celui-là, je me demande si... Non, je sais pas si lui, il a le droit de se mettre là, justement, c'est... Faudrait que je regarde. Alors là, c'est valide. Par contre, c'est quoi ce... Cette personne vient d'abandonner des déchets. Là-bas. Oh purée, elle est loin.
Elle est quand même loin, la personne qui est ici. Viens ici, c'est toi, je t'ai vu sur le tutu, viens ici. Voilà, carte d'identité s'il vous plaît, merci. Sure, officer. Here you go. Alors, elle est pas encore valide, donc ça, je ne peux rien dire. Oh, les pupilles dilatées, on va la fouiller. I have to search you. Kindly cooperate with me. Alors, qu'est-ce que t'as? Toupie, coupon, les pièces. Bon. Dommage. Constater une infraction, c'était des déchets. Et on va juste faire verbal. On va être gentil, on va juste faire verbal. Voilà. La police? Non. Pourquoi la police, elle est là? Ouais, bah, parce qu'ils patrouillent aussi, hein. Je suis pas la seule, hein, policière. Alors, celui-là, il est bon. Celui-là également. Celui-là aussi. Stop. Hey there. Ouais, salut en retour. Alors, vert. Lui, il est à contresens. Par contre, il a payé. Il est un peu fort, faut que je descende. Alors, vert, cette personne vient d'abandonner des déchets. Viens ici. C'est l'autre, c'est celle-là. Alors, pièce d'identité, s'il vous plaît. Yeah, sure, officer. Alors, 2023, donc c'est bon, la carte d'identité est toujours valide. Constater une infraction, abandon de détritus. I'm writing you a ticket for littering. Une contravention, c'est qu'à pas jeter, voilà. Vous me pourrissez la journée, non. Je suis vraiment en colère, moi je m'en fous. Hein. Voilà, donc on va continuer là où on en était arrivé pour les voitures. Il me semble que je lui avais mis sa contravention. Oui, il avait eu sa contravention. Donc celui-là, c'est bon. Celui-là aussi. Celui-là aussi, c'est bon. Celui-ci est bon. Celui-ci aussi. Alors, qu'est-ce que vous attendez là, madame ? Toute seule comme ça dans un renfoncement. Attention, hein. Je vous ai à l'œil. Alors, valide. Ça va bien, ça me met sur la place de bus. Valide. Il n'a pas le macaron. La plaque est rouge. Contravention. Temps échu. Merci, merci. Ça, c'est par contre, cette personne vient de traverser illégalement. Bah. Non, mais viens ici. Viens ici, toi. Alors. Non, mais. Quelle identité, s'il vous plaît ? Donnez-moi votre pièce d'identité. Here, alors. Elle est bonne. On va la rendre.
Constater une contravention. I'll let you go with the verbal warning this time. Thank you. Voilà, cette personne semble vraiment heureuse. Tu m'étonnes. Non. Range ton arme, toi, c'était pas ça. Pistolet radar. Alors. On va voir. Wow. Je traverse au rouge en plus. C'est pas bien. 35, c'est bon. Hello. Alors, lui. On va faire un rapport parce qu'il était au-dessus de la vitesse autorisée. C'est bon. Rapport aussi. Oh, celle-là, elle a traversé hors des clous. Viens ici, toi. Alors, pièce d'identité, s'il vous plaît, madame. Sure, officer. Here you go. Alors, non, ça a l'air d'être elle. La carte d'identité est encore valable. Éviter le contact visuel. On va la fouiller. Allez, viens ici. Bon, t'as pas grand chose sur toi, mais bon. J'espère qu'elle a pas un pistolet. Hein. Alors. Oh, vous avez le droit de porter jusqu'à une once de cannabis. Oui, mais une once, ça fait combien aussi? Une once, c'est quoi? Oh, la cannabis, c'est pas bien, la cannabis. Alors, c'est de mesure qui vaut 28 grammes, en fait. Donc, elle a le droit de... Il n'y a pas de souci, maquillage, concombre. Pourquoi tu portes un concombre dans ta robe, toi, franchement? Non, je veux même pas le savoir. Laisse tomber. C'est quoi, ce machin? Traversée illégale et avertissement verbal. Voilà. Let's just leave you with a verbal warning. What a relief. Thanks, officer. Et va-t'en avec ton concombre. Tu me fais peur. Tu me fais peur. On va se remettre là et puis on va reprendre le pistolet radar. Je sais pas si je peux prendre de l'autre côté. Il y a personne qui arrive. Dommage. Pour l'instant, ils sont bons. 35. Quelqu'un vient de pousser lui. Hi, citizen. Bonjour. Pour l'instant, ils sont. Ils réglementent la vitesse. Parce que ils voient un policier, ils font. Oh, je suis à 100, je ralentis. Ouais, quand même. Au passage, je me cache pas beaucoup. Oh, voilà. Un PV. Pour cette voiture qui roulait beaucoup trop vite. 35. 35, c'est bon.
35, c'est bon aussi. Il y a des fois, je le vois mal quand même, l'affichage. 35, c'est bon. 35. 35. Ouais. 35, je suis pile poil. Des fois, c'est dommage que ça le marque pas d'une autre couleur quand même. J'aurais bien aimé. Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu traverses comme ça illégalement devant moi? Non mais. Donne-moi ta carte d'identité, toi. Show me your ID, t'as une sale tête. T'as une sale tête, franchement. Sure. Toi, si je t'aligne pas, t'as de la chance. Allez, allez, donne ta carte. Mais alors, elle est encore bonne, donc pour l'instant, ça va. Your shift is over, officer. Ouais, patrouille terminée. Bon, bah toi, t'as pas de chance. Traverser illégal. Et je te la mets. Voilà. It will cost you $25. Voilà. Et en plus, tu fais devant moi. Voilà. Vraiment triste. Je m'en fous. Je m'en moque. Voilà. Traite-moi de méchante et je te dirai tellement. Oui, voilà. J'ose lui dire. S'il m'appelle méchante, je lui répondrai tellement. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, on rentre au commissariat après une bonne journée. Bon, on a arrêté personne, mais au moins on a toujours nos 100 CP. Cette personne doit des déchets. Viens ici. Bon, je vais essayer de pas me faire écraser quand même, hein, au passage. Toi, des déchets, viens là. Carte d'identité, tout de suite. Si ça tombe, je t'arrête, toi. Yeah, sure, officer. Allez, dis-moi que t'es en règle au moins. Ouais, ça a l'air bien. Constater une amende. Déchets, et par contre, tu te la prends. Voilà, t'avais qu'à pas jeter tes déchets, voilà. Vous me pourrissez la journée, non mais vraiment. Tais-toi, sinon je t'arrête. Allez, casse-toi. T'as qu'à ramasser tes déchets et les mettre dans une poubelle. Ça existe, les poubelles. La terre, ça devrait rester propre, franchement. Elle est déjà assez polluée comme ça, sans qu'on rajoute. Quelqu'un vient de vous saluer. Non, c'est pas toi. Mon auto. Hey there. Ouais. Je la salue en retour. Mais alors, et cette voiture là, elle est bien ou pas? Ouais, elle est bien. On a bien remis une dernière contravention, mais. Alors, bonjour, j'ai fait une bonne journée. Voilà, et j'ai perdu aucun CP, je suis trop contente. Sur 10, vous avez débloqué l'accident de voiture de patrouille. Quoi ? L'accident de voiture. Patrouille, gérer un accident de circulation causé par votre voiture de patrouille et sécuriser le lieu de l'accident. Non, mais je ferai pas d'accident. Ouh, la première voiture, youpi ! Oh, tu l'as délivrée ? Ouais, c'est cool, hein ? Alors, vous avez débloqué un nouveau quartier, Historic Downtown. Appareil photo pour les accidents, les lieux d'accidents, c'est cool. Et un nouveau type d'appel, accrochage. Ouh, un nouveau quartier, Chester. Salut l'accident. Oui, non, c'est pour constater. Nouvelle patrouille, par contre, non. Voulez-vous vraiment quitter? Oui.
Eh bien, je vais vous laisser là pour cette première vidéo test de Police Simulator sur PS5. Et si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ma carrière de policière. Me mettre un petit pouce bleu. Rose. Ou rose, comme vous voulez. Mais n'écoutez pas. Elle est trop bête comme ça avec les pouces bleus. Ça, c'est les vacances. Et si vous voulez me mettre un petit commentaire, je... Elle va vous répondre le plus possible. Le plus vite possible, voilà. Voilà, mon fils vous a tout expliqué, la démarche à suivre. C'est un futur streamer. Et moi, je vous dis bon après-midi et bye bye.